Hello, aujourd'hui dans cette vidéo j'imprime un nouvel avion RC, ce sera le P51 des Mustang de chez Eclipson. J'en profite par la même occasion pour tester une nouvelle imprimante 3D, ce sera la SV06 Plus de chez Sovol. Allez c'est parti! Voilà, j'ai fini d'imprimer toutes mes pièces. Vous pouvez voir qu'il y en a un sacré paquet. Bon, ils ont quand même fait en sorte que même les plus grosses pièces comme celle-ci puissent être imprimées avec une imprimante et un plateau plutôt standard, on va dire, 22 cm par 22 par 23 de haut. Là, vraiment, la pièce va prendre quasiment toute la totalité du plateau. Il faudra donc avoir un leveling vraiment impeccable pour pas avoir de warping sur le bord des pièces. Thank you.
Le partenaire qui m'accompagne aujourd'hui est la marque Sovol avec sa nouvelle imprimante, la SV06+. Une imprimante FDM grand format avec une surface d'impression de 300 par 300 par 340 mm. Elle dispose d'un plateau magnétique avec un revêtement PEI, un extrudeur Direct Drive avec une petite molette qui va nous permettre d'insérer ou d'extraire le filament même à froid. Donc ça c'est plutôt pratique parce qu'on va pas avoir besoin d'attendre que notre imprimante soit chaude pour charger le filament. L'imprimante sera capable d'imprimer tout type de filament et la buse peut monter jusqu'à 300 degrés, ce qui nous permettra d'imprimer des filaments un petit peu plus durs à imprimer tels que l'ABS ou encore l'ASA. Pour ma part, j'ai imprimé essentiellement du LWPLA. Elle sera également capable d'imprimer jusqu'à 150 mm seconde, donc on est quand même sur une vitesse un peu plus élevée qu'une imprimante standard, on va dire. D'habitude, moi j'imprime entre 70 et 80 mm seconde. Là, on peut monter jusqu'à 150, évidemment, ça dépendra des matériaux. Pour ce qui est du LWPLA, quand j'ai imprimé le P51, je suis pas monté à telle vitesse parce que le LWPLA a besoin de s'expanser. En gros, pour l'impression de ce P51 en LWPLA, j'ai utilisé carrément les G-codes que fournit Eclipson. Donc les G-codes, c'est carrément le fichier qui est optimisé avec tous les réglages à l'intérieur. On a également un super bobine sur roulement à billes, un détecteur de fin de filament. Alors ça, c'est peut-être le petit bémol de l'imprimante. C'est ce fameux détecteur de fin de filament qui, pour moi, accroche énormément le filament. J'ai un peu peur que ça me ruine mes impressions. Donc j'ai préféré carrément le désactiver. Il faudrait presque que je le démonte et que je vois s'il n'y a pas un problème. À voir si cette série, si ce problème-là est de série ou si ça vient juste de mon détecteur à moi. En tout cas, pour ma part, je l'ai squeezé ce détecteur. Pour en revenir à la vitesse, j'ai fait un petit essai pour voir si vraiment la promesse du 150 mm seconde est valable. Alors j'ai imprimé pour commencer ce petit Benchy à 70 mm seconde. Donc là on a vraiment une qualité impeccable, zéro défaut. J'ai fait le même Benchy donc à 150 mm par seconde. Et très franchement, je vois aucune différence. En tout cas, pour imprimer sur du PLA, 150 mm seconde, vraiment, elle tient ses promesses. Là, c'est vraiment impeccable. On a également un petit écran tactile en couleur avec une interface assez sympa, assez épurée. Et je dirais que vraiment, les atouts de cette imprimante-là, ça va être les réglages, puisqu'il va y en avoir très peu, ou en tout cas, ils vont être vraiment ultra simples. Par exemple, il n'y a pas d'excentrique à régler, donc tous les axes sont sur des rails linéaires, donc un point de moins à régler. On a souvent tendance à trop serrer ou pas assez nos excentriques. Bon, bah là, il n'y en aura pas. Évidemment, on aura quand même nos courroies à tendre. On retrouve un double axe Z avec un moteur par axe et une fonction d'ajustement de cet axe Z, donc qui va nous permettre d'avoir un axe vraiment bien parallèle au plateau. Elle dispose également d'un auto-leveling du plateau sur 25 points pour avoir un nivellement de plateau impeccable. On retrouve le bloc d'alimentation derrière l'imprimante et de l'autre côté, notre carte 32 bits avec un port USB et le port micro carte SD. Alors je vous ai pas fait de unboxing forcément sur cette imprimante, elle arrive montée à 90% sur, comme toutes les imprimantes FDM finalement. Elle est fournie avec une petite bobine de filament, une spatule et tous les outils nécessaires au montage de l'imprimante. Votre programme pour vous sensibiliser sur la loi d'attraction des poteaux. La loi d'attraction des poteaux est une loi physique qui décrit la force de gravité entre un objet volant et un poteau. La force de gravité est proportionnelle à la masse des objets et à la distance entre eux. Plus la masse des objets est grande, plus la distance entre eux est petite, et plus la force de gravité est grande. J'ai comme été happé par ce poteau, comme hypnotisé. Bon,
Bon, j'avoue, c'est quand même un petit peu con après y avoir passé autant d'heures. Mais en réalité, c'est pas grand-chose, même si ça paraît énorme. Finalement, je vais avoir que deux pièces à réimprimer, et j'ai regardé, on a pour 6 heures d'impression. Donc ça paraît grave, mais en fait, ça l'est pas tant que ça. Bon, j'aurais pu éviter le poteau, c'est sûr. J'ai quand même pu faire un vol de 5 minutes, donc j'ai pu voir qu'il était quand même vraiment hyper sain comme appareil, malgré un centrage un tout petit peu trop arrière. Alors j'ai fait le choix de mettre une petite lipo 4S en 450 mAh. Bon, il manquait évidemment un tout petit peu de poids à l'avant, donc une fois réparé, je mettrai peut-être une lipo 1500 mAh en 3S, comme ça j'aurai quand même un petit peu plus de poids à l'avant, je serai un petit peu plus confort, un avion un tout petit peu moins vif. J'avais également mis une hélice Slow Flyer, ça j'adore ces hélices là. On obtient des vols vraiment très très stables, des avions un petit peu moins vifs, un petit peu plus pépères, moi c'est ce que j'adore. Voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, je te mets tous les liens dans la description, que ce soit le lien de l'imprimante ou les liens de l'avion Eclipson. Pense à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Fais gaffe aux poteaux, ciao.